vraiment l'équipe des étudiants de l'ESSEG pour accompagner les étudiants tout au long de leurs oraux sur une demi-journée, de A à Z, on ne les quitte pas. Alors, premièrement, on va voir toutes les présentations officielles en amphithéâtre afin d'expliquer ce qu'est l'ESSEG et comment se passent les oraux. Ensuite, on a plein de pôles différents. Donc, on a le pôle international pour parler des échanges à l'étranger, le pôle association pour parler des associations. Et on a également un pôle jeu, histoire de juste détendre les candidats. En plus de ça, on a aussi un accompagnement des parents. Ça se fait avec un sketch fait par l'équipe accueil, histoire de répondre au top 10 des questions des parents, par exemple. Moi, parce que j'ai vu qu'il y avait tous les cours, donc ça c'est bien. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi toutes les associations. Est-ce que ça sert vraiment? Et aussi, juste parler avec leurs candidats tout au long de la journée. On les accompagne dans les salles, on discute avec eux, on les rassure juste avant de passer au jury. Et donc voilà, c'est un accompagnement complet avec des gâteaux à la cafétéria.